Attention s'il vous plaît, le président d'association à votre droite ou en face de vous, de l'avion qui arrive ce matin. Alors, monsieur le président. Tu y vas, toi, mon boss là-bas? Pas à peine que j'y aille, si. Y a des mecs qui veulent se battre.
a perdu son insigne des deux. Ah oui. Bah, il l'a pas perdu. Il sait pas où il l'a accroché. Où il est. Max, il est accroché sur mes lunettes. Ah ouais. C'est une... Dans ton sac, avec ton casque. Ouais. Contact.
meuf là-bas. Ouais, mais c'est pareil. J'ai vu le truc, d'observation, hein, donc il était fait pour se poser sur des pistes qu'on a prévues, hein. Ça se posait dans un champ, sur 300. L'histoire est assez marrante parce que donc, c'est un grand pays, c'est l'échelle, voilà, donc un petit avion tout simple pour que les gens puissent se faire un super avantage de la guerre, qui s'appelle Cup, et quand la guerre arrive, bien évidemment, on va se tirer, on va gagner des sous, on va aller leur présenter, et hop, ils arrivent à l'US Army Air Force, avec ça. Tous les représentants ou présidents d'associations, on part tout de suite, on vous attend. C'est bon. Le train de monsieur est avancé. Bah, je ne représente pas 39 ans. Si, ça peut être quand même ça. Mais la castrage, je suis le dernier. Bon.